Et salut à toutes et à tous, ici petit Seb et je vous souhaite un bon retour sur Slime Rancher. Ça faisait un petit moment que j'avais pas tourné dessus. Alors comme je l'ai dit, j'ai fait un peu d'argent. Alors 4 poules normales, 5 poules comme ça, 2 poulets, je sais pas si j'ai ça moi. C'est les rayés, j'en ai pas. Ouais. Par contre les autres. Là, j'ai une réserve de poulet hein. Ah quoique. Allez, c'est deux tchaks. Ok oui. Donc je disais, j'ai fait un petit peu de réserve d'argent. Alors là, sur les boosts, j'ai tout acheté. Ce que j'avais envie de faire, c'est d'aller acheter l'extension qui est là. Voilà. Acheter. Ok, alors, visitons cet endroit. Donc on est dans une grotte. Donc ici, on peut mettre... à mon avis, tous les slimes qui vont craindre la lumière. Alors, il dit qu'il mettait des slimes phosphorescents ici. Donc, il dit que quand on arrive, on devient niais. Et qu'il était triste en se réveillant dans la grotte. Mais qu'il y avait toujours du boulot à faire. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 nouveaux terrains. Ah. Par contre là c'est fermé. Là-bas. Apparemment c'est ouvert. C'est un retour de téléporteur encore. On dirait. Je pourrais presque descendre en dessous. Donc voici la carte. Je sais plus si je l'avais déjà montré. Ce qu'il y a, c'est qu'au début, on a que la carte du ranch. D'accord. Et il faut trouver. Il y a des données à trouver pour activer la carte des autres zones. Alors hors vidéo, je suis désolé. Donc entre le dernier épisode et celui-ci, j'ai trouvé la carte de la première zone en allant chercher de la nourriture pour les slimes. Et voilà, voilà c'est tout. Donc ensuite, hop là, donc là j'ai dit c'était fermé. Je sais pas, ça va peut-être au laboratoire, c'est peut-être pour ça que c'est fermé. Donc ça nous fait une nouvelle zone où on va pouvoir étendre le ranch. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec mes slimes aquatiques là, ils sont tous... Voilà toi. Ils ont tous... Ils étaient tous rouges. Ça y est, ça recommence. Ah, c'est bon. Mais c'est quoi ça? Ils sont malades ou quoi? Je sais pas. Et du coup, ils me donnent plus de plortes, alors ça m'embête par contre. Voilà, vous pouvez manger des carottes, des poules, plein de choses. Voilà, j'ai rentré la carotte à l'intérieur. Il y en a un qui l'a mangé. Ah bah oui.
Voilà, des poules. C'est gratuit. Hop. Les plortes dorées. Donc j'avais dit que je m'occuperais plus du ranch pendant que j'étais en épisode, et c'est la première chose que je suis en train de faire. Donc. Hop, je vais mettre quelques poules de plus. Et je vais aller vendre tout ça. Et ensuite, on va partir sur la recherche. Donc on cherchait une porte avec une clé et qu'on ne trouvait pas. Donc on était parti par là, on n'avait rien trouvé. Et je vais essayer d'aller là, là, dans la grotte, je suis jamais allé, donc je sais pas ce qu'il y a derrière. Et là, il me semblait qu'ici c'était un cul-de-sac. Faudrait que j'aille voir aussi. Donc on peut remarquer apparemment qu'il y a des objets à récupérer. Donc il y a un truc comme ça au ranch. Et ça nous dit rien d'autre pour le moment. Donc je sais pas du tout ce que ça représente ni ce que c'est. Alors par contre, je vais utiliser l'argent que j'ai. Auto-alimentation. Voilà. Et ramassage des plortes. Voilà. Ah d'accord, on peut régler la vitesse à laquelle ça envoie la nourriture. Alors moi je vais mettre tout doucement. Voilà. Récupérer les poules. Que je vais remettre tout de suite ici. Voilà. Je vais en laisser une dedans. Ok. Hop. On s'occupe plus du reste et on y va. Non, parce que sinon je passe la journée à m'occuper des... À m'occuper du ranch et je passe un épisode entier rien que sur ça. Alors, je récupère des fruits parce que ça j'en avais besoin pour mes slimes de miel. La nuit, il y a des slimes phosphorescents. Carottes, c'est gratuit. Hop. Je ramasse plein de plortes. En tout cas, je pourrais les revendre facilement. Alors, on avait dit par là. Est-ce que j'ai assez pour monter? Allez, monte! Ah, un module pour avoir plus de vie est disponible. Ah mince, j'ai plus d'énergie. Voilà, ça sent les problèmes. D'accord. Là, il faudrait que je puisse monter. On va attendre d'avoir amélioré un peu le jetpack. Et en attendant, je vais aller voir le suivant. Il devait être... Voilà, par ici. Un phosphorescent épineux, ça c'est dangereux. Zone de danger. Ah oui, il y avait des... Ouais, voilà. Des slimes agressifs. Calmez-moi. On dégage. Merci. Alors, ce genre de slime ne peut pas être capturé, bien sûr. Voilà. On a trouvé notre porte. Donc je disais, les slimes agressifs ne peuvent pas être capturés. Puis en plus, ils attaquent à vue. Donc... Donc, ouais, je suis rentré dans une nouvelle zone. La carrière indigo. Projet minier qui a trouvé l'échec. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
j'étais toujours le plus heureux quand j'étais seul, des endroits comme cette carrière si me plaît, c'est bonne, silencieuse et surtout vide. Alors, j'avais figuré que la vie sur le monde lointain, très lointain, me plairait aussi. Et tu sais quoi, je fais tout mon chemin ici. Et la première personne que je vois, eh bien, elle a changé comment je vois les choses, je suppose. La silence n'était pas assez. J'aimais sa rigolade. Ok, alors ils disent que c'est un endroit où il n'y a rien. On va se faire chier si c'est le cas. Moi je vois un truc là-bas. Ah, c'est encore une de ces poules que je ne sais pas comment ouvrir. Ouh, il y a du slime explosif. L'orte de slime explosif. Non, non. Ça c'est pour moi, tant pis. Boum. Ça je prends. Et le reste je laisse. Là il n'y a que de l'eau. Salut toi. Ah je sais. Ah, ça je sais pas ce que c'est. Je vais le garder précieusement et je le planterai. Tiens. Alors, est-ce que je peux monter pour voir pour retrouver des choses ici? Ouais. Ah bah voilà. Magnifique, on a une vue d'ensemble. Et ça continue de l'autre côté apparemment. Et la cosse, voilà. Elle devait être juste là mais elle n'est pas ouverte non plus. Est-ce qu'il faut tirer dessus avec de l'eau? Attends, c'était où? C'était là. Je me demande ce qu'il faut leur faire à ces cosses pour les ouvrir. Je suis vraiment curieux. Ah, nouvelle amélioration des propulseurs qui consomment 20% d'énergie en moins. Donc pour voler deux fois plus loin, deux fois plus haut, etc. Alors. Là, on est à l'intérieur. Oh, un slime géant. La cosse au trésor qui n'est pas déverrouillée, bien entendu. Ah, voilà. Donc là, j'ai trouvé ce qui m'intéressait, c'est-à-dire ça. Boum. Merci, j'ai la carte. Ah, ça, ça fait plaisir. Ok, donc le passage en dessous que j'ai essayé d'avoir mène à une clique qui va à l'extérieur, apparemment, et qui nous fait rejoindre notre grotte à nous. Très bien. Est-ce que quand je découvre un gros slime... Oh, une autre cosse. Régime légumes. Ok, je te rapporterai des légumes. C'est bon à savoir. Hop, je regarde où je vais quand même. On sait jamais. J'aime pas les slimes rocheux, ils te passent de suite, font mal. Aïe, aïe, bande d'enfoirés. Slime explosif. On va pas trop s'en approcher. C'est dangereux. Des poules rocheuses. Ah, et là, le slime qui a faim. Allez hop, dehors. Oh, ça c'est un top. Hop, dehors. Et les poules sont en sécurité. Donc il y a une autre quest là-bas. Par là. Ah ouais, ici. Mais je suppose que c'est en allant par là qu'on finit par là. Oh. Bizarre.
je vais y jeter un œil. On découvre des choses. Ah, il y a une autre cosse en face. C'est quoi c'est? C'est des slimes de cristal ou quoi? Elle remonte. Ah ouais, c'est des slimes de cristal. Vache. Aïe, oui, ils font mal en plus. Et là, on a un slime de cristal de... Ah, un slime rose de cristal. Ah, c'est dangereux ici parce que du coup, s'ils sont plusieurs types différents, ça va finir par se transformer en tar. Ah, ça descend où ça? Ah, ici. Alors, une fois j'ai passé par ici. Rassembler des cristaux pour un petit projet, j'étais coincé ici pendant 2 jours. Dans ces slimes cristaux et curieux roulaient vers moi tout en tirant ces éclats dangereux. J'étais sûr que j'allais casser ma pipe. Les cristaux étaient pour un carillon. Je parie que Thora l'accroche encore sur sa porte. Sur son porche. La traduction est pas terrible. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Bah, si ça vaut la peine de mourir pour du cristaux, des cristaux. Hop. Ah, et je suis déjà dans la caverne d'à côté. Hop, bah je continue. Hein. On est là pour explorer après tout. Alors, oh, j'arrive à l'extérieur. Oh, on dirait une source chaude. Eh, hey, il y a un truc dedans. Il y a une autre cosse ici encore. Ah, mais c'est là où j'étais tout à l'heure. Bah oui, je suis bête, ça faisait le tour. Et puis là on a des slimes aquatiques. Normal. Dans l'eau, c'est normal. Ok, on va... Et là, est-ce que ça... Et il y a quelque chose là-bas. Oh, des slimes radioactifs. Ah ouais, et puis même moi ça me... Aïe aïe aïe. Des pièces, des pièces. Oh, on a encore un gros rocheux. Que ça c'est des légumes pour lui. Bon, bah, va falloir que j'aille faire pousser des légumes alors. Ah, zone de danger. Il y a des agressifs. Ah ouais, c'est des roses irradiées agressifs. Je monte comme ça, comme si de rien n'était. Cosse là-bas. Cosse au trésor. Et là, ça repart. Ah, on retourne sur des slimes normaux. Des légumes, vous pouvez manger les petits. Oh, 2 tas de fruits. Je suis jaloux, je ramasse tout. Allez, 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 allez. Rentrez dans l'aspirateur, mes petits.
Ah, j'ai tout eu, je crois. Les différents légumes qui poussent dans le coin. Ok, ça marque. Ça marque les choses quand on s'en rapproche. C'est quoi ça, le petit truc qui est là du coup? Qui a l'air d'être activé. Ah bah c'est le portail de retour. Pour rentrer, on a une nouvelle cosse au trésor ici. Du coup, apparemment il y aurait 16 cosses au trésor et 2 clés à récupérer ici. Je sais pas combien j'ai croisé de cosses, mais les 2 clés je sais où elles sont, je les ai croisées, c'est les 2 gordos de toute façon qui sont à nourrir. Donc ça veut dire qu'il y a encore au moins 2 autres portes à ouvrir. Et là, il y a pas mal de légumes en forme de cœur. Boum! Je suis rentré! Alors. Ah non, c'est des fruits! Non! Alors, faut que je vende ça. Hop, ça va se faire vite. 600. Est-ce qu'avec 600 je peux agrandir ça? Il faut 575. Ok, très bien. Hop, les fruits. Je pense que... Hop, les légumes en forme de cœur. Betterave cœur d'ailleurs, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Et je l'ai presque rempli. Hein. Bien voilà, on en aura ouvert une nouvelle porte. On aura fait un petit tour qui nous aura permis de découvrir des nouveaux slimes, des slimes de cristal. Non, toi tu viens là et tu restes là, merci. Et puis on aura utilisé cette clé surtout qu'on avait depuis un petit moment. Alors eux commencent à avoir faim et à s'agiter. Le filet d'air est à 425. Ok. Et eux, j'ai l'impression qu'ils sont malades et que. Voilà. Et qu'ils ne feront plus de plortes. Bon, et bien sur ce, j'espère que ce nouvel épisode de Slime Rancher vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un joli pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo. Hein, moi, ça me fera super plaisir. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Plus d'aventures pleines de slime. Hein. Allez, salut tout le monde. Hey, watch out.